Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la suite de l'histoire. Alors, on part sur la Fairy Star, on a dit, Fairy Star, elle est là. Ouais, d'ailleurs, je change un truc. Hop là, voilà qui sera mieux. Et ça aussi. Et puis ça. Et puis ici, on va mettre. Ouais, faut aller mettre autour. Voilà, cadeau pour ça. Rentre. La saleté. Hop, et là nous on revient en mode oh tiens, alors comment ça, est-ce qu'il y a des choses? Ah, non. Tu es là. Merci. Nous avons besoin de ton aide. The Sentinel Rose, Victims of Forest. D'accord. Et c'était le prince Philippe. Ah oui, d'accord, la personne qu'elle avait rencontrée dans les bois, c'était... Il court, hein, il est en danger. Dépêchons, nous devons nous rendre à la maison. Allez, on y va, ce qu'il nous faut. Je m'en fous, j'ai une défense plus 4 moi. Je crains personne. Ou presque. Alors, il faut prendre, sinon on va pas sinon on tombe pas dessus. Planqué dans tous les recoins de la map, quoi. C'est abusé. Aller sauver le prince Philippe.
On y court, on y vole. Bah, il faut ce qu'il faut, hein. Dix attaques spéciales ou moins. Ça aussi, on va changer. J'arrive. Le temps de trouver le bon chemin. Voilà, on va pas le chercher ici. On va aller juste là. Je pense qu'après il n'y a rien d'autre plus là-haut. Donc. Ça passe derrière. Je comprends mieux. Magnifique! Elle a attrapé le prince Philippe. Elle a certainement amené dans les montagnes interdites. Ou montagnes oubliées, peut-être. Ben, je sais plus exactement comment ça s'appelle dans, dans l'univers du truc. Est-ce que tu nous aiderais? Cling, 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 cling. Bon, j'ai pas exactement de missions il y a disponibles là, qui peuvent être skippées pour la suite, mais. On retourne en arrière, d'accord.
Ah, il n'y a que la cible ennemie. Donc je peux passer tout le reste ou presque quoi. Moyennant d'avoir les ennemis quand même. Deux, quatre, cinq, d'accord. Et 5, 10. Bah c'est bon, ça j'ai tout, ça j'ai tout. Hop là. Mais c'est n'importe quoi cette ennemi. Il m'en faut un petit peu. Ouh, 798, ça c'est cool. Oula. C'est trop... Il y a trop de choses. On va faire les différents ennemis, puis quand j'aurai la cible, je continuerai de faire des blocs. Ok, donc l'ennemi est là. Allez, on saute dessus. Boum. Ah, quand même. Defeat Sleepy Snoozer par 5. Bon. On y va, hein.
Alors. Voilà, il y en a ici déjà pour commencer. Oh, 3 d'un coup, c'est cool. Ah non, pardon, il n'y en a qu'un seul. J'ai cru, hein. Donc, un ici, ok. Oh! Ça a caché ce coffre. Bon, il en manque un. Est-ce qu'il y en a un dans la cible? Ça doit être ça. Peut-être pas d'ailleurs. Ouais, on regarde un petit peu le cheminement. Ah. Hop, on le fera après. Ben, ça va se bien se passer, toi aussi. Trois en plus. Bon, on va faire ce petit redouas quand même.
Ah, la Fairy Star. Eh ben, on y va. Fairy Star, reviens ici. Attends, il va nous voir. Ici, ça pourra nous aider. Es-tu prêt? Il est transformé en petite fée. Il est tout rigiki, il est tout ridicule. Oula, il y a du... Aïe, hol. Ah, The Fairy Star encore, c'est cool. Je pense qu'on va finir à la Fairy Star. Hein. Ah, pardon. Ah, descend. Version miniature des ennemis, donc tout va bien. The Last. Bon, genre. Alors, j'ai pas perdu trop de temps. Il
Par contre, hop, on retourne toujours. Ah, commandez là. Ah non. D'accord, le maléficien te coûte. C'est n'importe quoi. Un ennemi géant. N'importe quoi. Seven Heroes. Sixteen Heroes. D'accord, 16 ans. Pourquoi? On sait pas, c'est comme ça. Allez, détends-toi, précieux Yip. Pourquoi cette mélancolie? Un merveilleux futur s'offre à toi. Toi, le héros destiné à charmer comme un conte de fées est vrai. De plus, le château du roi Stéphane. Et dans tous les cas, autant la plus haute tour, rêvant à son véritable amour, la princesse Aurore. Mais vois la grâce de tout ça. Il a chien quelque chose qui a gagné le cœur de ton cœur de noble prince, mais hier. Ouais, d'accord, ouais, il y aura un Ipsat Sings the Wind, ouais. Dans un sommeil profond, elle trouve le repos. Il monte son fidèle destrier. Ouais. Une vaillante figure grande et impressionnante pour libérer de son amour avec un premier baiser. Et cela prouvera ta véritable amour qui te voit pour toi. Et donc voilà, c'est tout pour la suite de l'histoire pour l'instant. Donc on continuera la prochaine fois donc dans le domaine argenté.
Est-ce qu'on n'a pas vu de scène de changement de zone, donc la suite sera, se passera là-bas avec donc à la à le sauvetage du prince Philippe, son acheminement jusqu'à la princesse Aurore, et donc et puis forcément bah, du coup la, le happy ending aussi du domaine enchanté. Mais ce sera, tout ça sera pour la prochaine suite d'histoire. C'est l'avenir qui nous le dira. Dans tous les cas, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Kingdom Hearts Union Cross. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt tout le monde.